que ce serait un tel bordel. J'aurais pas choisi ce boulot. Tu vois. Tu sais, moi, ça fait des années que c'est pareil. Il y a tout qui part dans les impôts. Llevo vraiment déjà que tu as la dalle. Je crois qu'il me reste un petit bout de panne. Mais il y en a marre avec ça de boire que de l'eau. Oh yeah, yeah. Franchement, quelque chose que je trouve pas normal. Pour passer à côté de ça, faut être à la masse. Tu sais ce qu'on va dire quand on finit le boulot. C'est la pero. C'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito. C'est la pero. Et un chardonnay, lui un primitivo. Du whisky, du rhum, du gin et à tout schifo. Sinon, je peux t'offrir un petit. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de la Ferme Valaisanne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous les retours et puis votre participation au live de Terre Valaisanne. Je sais que la semaine passée, on a eu beaucoup d'épisodes de Terre Valaisanne, mais bon, c'était le début de la nouvelle série. Bon, ben, aujourd'hui, j'avais pensé, je sais pas ce que vous en pensez du reste. On va aller peut-être continuer un peu à construire notre hangar de paille. Et du reste, je suis venu là. Alors, j'ai pris le petit plateau là. On va vite charger. Vous voyez que ça a bien produit au niveau des planches. Alors, je sais que j'en aurais peut-être pas assez. Et on va charger ça. Enfin, on va essayer de charger. Hop. J'aime bien ce. Hop. J'aime bien ce Clark parce que. Je trouve que il est assez maniable et puis il n'y a pas de souci. Peut-être que j'aurais dû prendre un autre plateau parce que ouais, quoi, normalement ça doit y aller. Hop, on va aller. Est-ce que je suis assez haut là? Hop, on va aller un peu. Ouais. Normalement ça doit y aller là. Hop. On va essayer de mettre 4, mais je suis pas sûr. Hein. Hop. Alors, on est pas mal. On est pas mal, je vais pas trop mettre en là-bas parce que autrement j'arriverai pas à mettre. Voilà, il y a une de chargée. On va redescendre. On va essayer de mettre 4 étages. Non, pas 4 étages, mais au moins 2. Parce que 4 ça risque de faire un peu beaucoup. Hop. Voilà. Je vais aller de l'autre côté. Je vais peut-être pas me mettre comme ça. Voilà, ça doit passer. Ça passe largement. Bah super. super. Alors j'ai déjà pas assez. Bah voilà. Un petit fail pour commencer. Ça va être super bien. Alors ce que je vais faire, je vais changer de place de tracteur. Parce que ça va pas aller. Hein. J'ai déjà pas beaucoup de. Je vais peut-être mettre la sangle. Ah, mais normalement ça bouge pas sur celle-là. Je dis bien ça bouge pas. On va essayer pas de la foutre en bas. J'ai déjà pas beaucoup de planches. C'est déjà très long. Et puis moi je la fous en transformation de copeaux. C'est super génial. Ah là là là. Ben bon, vous aimez les failles du Valaisan, ça c'est clair. Alors je vais essayer de me mettre comme ça là. Voilà. Oh, il fait du bruit. Hop. On va redescendre. Ah, je voudrais bien le voir fini cet hangar, mais bon. C'est pas évident. Et puis bon, comme j'ai pas beaucoup avancé au niveau de. Hop. Pourquoi tu fais comme ça? Est-ce que je suis pas bien? Voilà, ça c'est nickel.
Elle a un peu de travers, mais c'est pas grave. On va essayer de la mettre là. Ça va faire un super chargement. Hein. Voilà. On va se mettre peut-être comme ça là. Hop. Mettre droit. Normalement ça passe. Ça. Ouais, j'aurais pu prendre le camion. J'aurais pu en mettre plus, mais bon. Je me suis dit, tiens, on va faire avec le plateau ici. Hop, normalement, on va se mettre comme ça. Hop, on va descendre. Hop, puis on est nickel. Super chargement. Allez, on va mettre, on va essayer de mettre derrière, ça va dépasser, mais c'est pas grave. On va essayer pas de les perdre sur la route, ça serait con. On va se mettre comme ça, voilà. Mais là, ça ne joue pas parce qu'il y a ce carré long, là, c'est un peu embêtant. On est pas mal. Par contre, j'y arriverai. On va essayer de mettre ici. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. On va se mettre comme ça un peu plus proche. Hop. On va prendre toujours. On va peut-être quand même rapprocher. Ouais. Là on est nickel. J'espère que la palette elle va tenir. Alors, est-ce que j'arrive à mettre au fond? Ouais, parce que je vais toucher. Oh bah, c'est pas trop mal. Si jamais on ira qu'avec les 4 là, parce que j'ai un peu peur en hauteur de tourner le tracteur. J'aime assez de faire ces chargements. Hein. C'est une activité que j'aime bien. Alors, on va essayer de la mettre de côté. Normalement ça doit passer. Comment on reculera un peu le tracteur, on ira un peu dans la terre là. Hop. Oh ah bah voilà. Allez, on va la reposer avant qu'il y ait un accident. Super. Deuxième faille. Enfin, c'est pas vraiment un faille, hein. C'est que je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Là, on est pas mal, on est mieux. Hop. Quand même un peu se mettre droit. Ouais, je vais partir, je pense que je vais partir avec ça. Hop, ça touche. Ouais. Ah, on est pas mal là. Ouais, la texture des planches est vraiment bien faite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tente de mettre un... Oh, je vais peut-être mettre une au milieu. J'aurai pas le temps de faire un deuxième voyage. Là. Je sais pas. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Nickel. Ouais, vous voyez, c'est stable avec ce Clark là, c'est vraiment bien. Alors, je sais pas si j'arrive à le mettre en hauteur. On va tourner comme ça. Hop, il y a une tour qui m'embête là. Ouais, ça passe. Hein, peut-être. Alors, je sais pas comment je vais arriver à la faire. Je vais essayer de mettre comme ça. Je vais en remettre une derrière. Je peux pas aller plus loin. Hop. Alors, c'est un chargement de ouf. C'est un chargement de ouf. Alors, comme je l'ai dit pour info un peu de la chaîne, en attendant que je charge ça, mercredi vous avez le live, à peu près au milieu de l'après-midi, le live de Terre de Valaisanne. Et cette semaine sera un peu plus consacrée sur des épisodes à la ferme Valaisanne, parce que vu que j'en ai pas fait beaucoup,
Vous avez apprécié hein, le deuxième épisode de l'URP de Jérémy, hein, de Jiffy de Farmer, l'amour est dans le farming, bien rigolé, il y a des super commentaires, super retours. Bon, Jérémy, hein, tu verras, il est gentil le beau-père après. Ouh là, ça. Oh ouais, ça fait du poids. Bon, écoutez, on va essayer de partir comme ça, on verra bien. On va descendre, on va couper le moteur. Hop. Voilà. C'est nickel, c'est nickel. Bon, bah écoutez, moi, on va partir sur la ferme. Vas-y, aujourd'hui c'est l'épisode des feuilles, ça c'est clair, mais les collisions c'est incroyable, il faut vraiment que je déplace cette remorque ici. Est-ce que j'arrive à passer avec ces portes là? Faut que je les ferme. Comment? Ouais, ça passe, allez. On va se mettre comme ça au milieu, comme ça je peux prendre des deux côtés. Oh, j'espère que je vais. Voilà, on va couper ça, on va couper le moteur, je vais aller vite là-bas pour voir si j'ai. Normalement, j'ai des fourches à palette ici. Sauf erreur, j'ai pas là. Où c'est que j'ai mis des fourches à palette ici? Autrement, on déchargera automatiquement. Hein. On va pas s'embêter. J'ai pas le temps d'aller encore à la home concessionnaire pour aller chercher des fourches à palette. Il me semblait que j'en avais ici. Ah, mais peut-être que. Non, l'autre tracteur. Bon, bah tant pis. Allez, on va remonter. On va rallumer. On va faire L. Il faut que j'aille enlever les sangles. Puis on va voir l'évolution. Hein. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Si j'arrive à. Hop. Hop. Normalement, il doit pas être construit direct. Hop. Mais ça s'est bien passé le transport. Je pensais que j'aurais eu des soucis. Ben non. Pour aller. Ah! Non! C'est pas ça, va doucement. Ah ouais, c'est vraiment la série des feuilles. Super. Génial. Bon, ben comme ça, au moins, vous allez bien rigoler. Je vais essayer. Normalement, je dois pouvoir les porter.
Je suis pas sûr. Ouais. Est-ce que je peux les porter? Ouais, je peux. C'est bon. Heureusement, je ne veux pas être embêté. Hop. Ressources paille. Ouais, mais bon, moi, c'est pas ça que je veux. Hop. Je vais mettre. Oh là 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 là. Bah, je suis content. Comme ça, vous allez bien rigoler. Là, il y a ce putain d'obstacle. Hop. Allez, donne-moi la main. Voilà. Donne-moi la main. Tic, c'est bon. Ah, bah, ça n'a pas fait grand-chose, hein. C'est vrai que c'est très long à. C'est presque trop long. Ils auraient peut-être dû faire quelque chose de mieux. Ah! Ah! On voit quand même l'évolution. Il y a les piliers. On est per... Il y aura peut-être le toit après. Hop. Ah, il faut une palette, ça fait rien. Une palette, ça fait quelque chose. Maintenant, on va essayer de reculer pour s'en foutre tout en bas. Là, il y a un truc qui bloque là. Ça, c'est bien. Bon, normalement, vous allez les prendre. J'espère. Ouais, c'est bon. Bah, écoutez, on va couper. On va voir ce qu'il a construit. Bah, ouais. Il y a les fondations. Ça m'a l'air gros comme tronc. J'espère pas que je dois rentrer là-dedans pour aller chercher la paille. Parce que alors, je sais pas comment je vais rentrer. Mais c'est pas mal. Bah, écoutez, les gens. C'est la petite suite. Moi, je verrai peut-être dans le prochain épisode, je vous montrerai. Si j'ai le temps, je vais aller chercher la suite. Hein. Je vais mettre le tracteur ici. Hop. Hein. Et puis, on verra bien. Peut-être prochaine, on va aller peut-être faire les pellets. Hein. On va aller faire ces pellets à l'usine électrique. Hein. Je les ai amenés là-bas. Donc, voilà. Alors n'hésitez pas le pouce bleu si ça vous a plu, vos commentaires sont toujours bien les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné, bah, si ce n'est pas déjà fait, bah, c'est gratuit. Abonnez-vous pour voir la suite des aventures de la chaîne du Valaisan. Allez, tout bon, comme on dit chez moi, à très bientôt. Et voilà, salut.